et bienvenue sur ma chaîne YouTube Souhait by Sonia. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous faire un mini haul action comme dans mes habitudes. J'aime vraiment cette boutique parce qu'à chaque fois je trouve des petites mignonneries, des petits bons plans aussi, et j'aimerais tout simplement partager avec vous. Pour commencer, j'ai acheté ce joli coffret. Alors à l'intérieur, il y a des masques. Il y en a 7 en tout, un pour chaque jour de la semaine. Et sur les emballages, il y a marqué le jour. Là, il y a marqué Monday, Tuesday, etc. jusqu'à le dimanche. J'aime beaucoup le packaging et je sais pas trop si je vais vous faire un crash test sur ce coffret. Dites-le moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Voici le deuxième article, et pour ne pas changer, c'est encore des masques. À l'intérieur, il y a 4 masques pour le visage. Alors j'aime beaucoup le packaging et ça me fait penser en fait au packaging des produits de chez Sephora. Je sais pas ce que vous en pensez, mais généralement Sephora, à chaque hiver, notamment à Noël, ils sortent une nouvelle collection, et là bah, ça me fait penser aux produits cosmétiques, soins du visage de la marque Sephora. À l'intérieur, il y a 4 masques et j'aime beaucoup l'emballage parce que il y a des petits animaux. Là je crois que c'est un hibou, un petit loup, ça je sais pas du tout, et là bah, c'est un petit renard et c'est trop mignon. À l'intérieur de chaque masque, il y a un parfum différent. Alors il y a le cranberry, le chocolat, il y a le minéral de la mer morte, et le dernier c'est avocat et flocons d'avoine. Franchement c'est trop mignon, j'aime beaucoup le packaging. Et comme dit le dicton, jamais 203, j'ai pris un troisième masque à gel, chaud ou froid. Alors c'est vous qui choisissez ce que vous voulez selon votre convenance. Alors pour le rendre beaucoup plus chaud, vous le laissez dans l'eau bouillante à l'intérieur pendant 20 minutes. Et le masque devient chaud et vous pouvez l'appliquer sur votre visage. Ou bien si vous souhaitez le rendre beaucoup plus frais, beaucoup plus froid, vous le laissez entre 30 à 1 heure dans le congélateur ou bien dans le réfrigérateur, c'est comme vous voulez. Et ensuite, vous l'appliquez sur votre visage. Ce masque vous permet de vous détendre et de vous relaxer. J'aime beaucoup le packaging parce qu'il est très kawaii, il fait très manga. J'aime beaucoup la petite fille, le petit personnage, c'est trop mignon. Et ici, il y a un petit arc-en-ciel qui vous dit que vous pouvez passer du chaud ou froid, tout simplement. C'est comme vous le souhaitez. J'aime beaucoup ce produit parce qu'il me fait penser à un produit What the Fuck. Et pourquoi pas faire une autre vidéo What the Fuck des produits Action. Dites-le moi en commentaire si ça vous tente. Je crois que je dois avoir une obsession avec les masques parce que j'en ai encore pris un nouveau. C'est un masque rafraîchissant pour les yeux, pour atténuer l'aspect des poches et des cernes, parce que j'en ai énormément. Vous pensez que je suis une fille délicate, mais non, pas du tout. J'ai déchiré l'emballage comme une malade. Franchement, je sais pas pourquoi. Je trouve que ce masque est trop mignon ici, avec les petites cerises qui sont croquées. Et là, il y a des petites paillettes à l'intérieur. C'est très joli, c'est très girly. Et voici une autre nouveauté, et c'est encore une fois un masque, mais cette fois-ci c'est pas pour le visage, c'est pour les doigts, les cuticules. Alors regardez-moi ça, c'est trop marrant parce qu'il faut les appliquer au bout des doigts, c'est trop drôle, c'est un peu encore une fois un produit what the fuck. Ce produit permet de soigner et d'hydrater les cuticules, et franchement j'aime beaucoup le packaging, en plus c'est au concombre. Du coup, il doit sentir extrêmement bon. Il faut laisser agir ce masque entre 15 à 20 minutes. Et ensuite, avec l'excédent, vous pouvez faire des petits massages afin de faire pénétrer le produit au niveau de vos petits doigts. Et franchement, j'aime beaucoup le concept et j'ai vraiment hâte de le tester. À l'intérieur, il y en a 10 forcément pour les 10 doigts de la main. Et ce produit est à usage unique. J'ai craqué pour cette palette et franchement, regardez-moi les couleurs. Elles sont vraiment magnifiques, elles sont sublimes. Moi, ça me fait penser à l'été, au beau jour, et j'ai vraiment hâte d'y être. Les couleurs sont vraiment belles. Alors il y a des couleurs mates et aussi il y a des couleurs irisées. Il y a du doré, en plus ma couleur préférée, je suis vraiment contente. Voici une autre nouveauté que j'ai trouvée chez Action. Ce sont des ventouses à massage pour traiter la cellulite. Et franchement je les ai vues et je me suis dit bah pourquoi pas les acheter. À l'intérieur il y en a 2 et franchement c'est plutôt le top parce que comme ça je peux les changer assez régulièrement. Sur l'emballage il y a la notice d'utilisation, donc là il faut mettre impérativement un sérum ou une crème de préférence anti-cellulite, et ensuite bah, vous l'appliquez et vous suivez les mouvements conseillés.
Voici le Body Glow, c'est un illuminateur pour le corps à 24 carats. Franchement, le packaging, j'aime trop, il est hyper joli, il est très très simple avec du doré, mais c'est tout ce que j'aime, il est vraiment magnifique. L'highlighter se présente comme ceci, alors là j'ai pris une petite noisette pour vous montrer. Et voilà, j'en ai mis un petit peu trop, j'ai l'impression, j'en ai trop. Et le meilleur pour la fin, j'ai trouvé des mini pots Nutella, c'est trop mignon, franchement ils sont adorables. Ils arrivent au creux de la main, regardez, c'est vraiment trop choupinou, c'est trop joli. J'en ai pris plusieurs, j'en ai pris 6 en tout pour les donner à mes petits-neveux. Et j'en ai gardé 2 pour moi pour faire une petite décoration dans ma cuisine. Et franchement c'est trop choupinou. Ce mini haul action est terminé et j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air pour m'encourager comme d'habitude. Dites-moi en commentaire si vous connaissez les dernières nouveautés que j'ai trouvées ou pas du tout. Et si vous avez déjà testé les masques, dites-moi tout en commentaire. Moi c'est Souad by Sonia et je vous présente des vidéos de mode, de beauté, d'astuces. Je vous fais des crash tests et aussi des vidéos première impression dans le domaine de la beauté, du make-up. Donc n'hésitez pas à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !